Bonjour et bienvenue euh, au CAPS, au Centre d'activités physiques et sportives du Cégep de Tetford. Je m'appelle Serge Faucher, je suis le coordonnateur euh, des activités du CAPS. Euh, cette semaine, avant d'introduire les activités plus spécifiques d'évaluation des conditions physiques ou euh, des programmes d'entraînement qui peuvent s'adresser à vous, euh, je trouvais important de vous expliquer euh, les rôles et responsabilités d'un kinésiologue. D'abord, qu'est-ce qu'un kinésiologue? Parce que vous allez avoir à travailler avec ces gens-là lorsque vous allez faire affaire au CAPS. Vous avez affaire au cap sur différentes choses, euh, surtout au niveau des programmes d'entraînement. Même euh, dans les cours, il y a beaucoup d'interventions qui sont données par les kinésiologues et on veut faire une distinction pour bien expliquer alors euh, qu'est-ce qu'un kinésiologue, puis euh, de quelle façon il peut vous aider. Euh, pour euh, vous faciliter un peu la compréhension, euh, je, je vais préparer une présentation. Ça va être très euh, magistral, mais quand même ça va vous aider à comprendre euh, lorsque vous allez rencontrer un kinésiologue euh, à qui vous avez à, avoir, à qui vous avez affaire. Donc, on va le définir, on va définir ce qu'est un kinésiologue. On va parler de ses connaissances, sa formation, parce qu'il y a une formation universitaire. On va décrire dans l'ensemble les, les cours qu'il suit pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il est en mesure de pouvoir faire pour vous encore plus par les connaissances qu'il a acquis. Les compétences, bien entendu, à quel endroit et de quelle façon il peut intervenir pour vous. Et euh, également, euh, les secteurs d'intervention, on va aller plus spécifiquement euh, dans les différents endroits où il pourrait intervenir. Pas seulement pour vous, qu'est-ce qu'il peut faire, mais aussi dans les différents endroits, parce qu'il peut intervenir ailleurs que dans un centre de conditionnement physique. Donc, euh, dans un premier temps, on va définir le, 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 ce qu'est un kinésiologue. Une définition. J'en ai quelques uns je vais vous les lire. Textuelles, vous allez voir un peu, il y a des ressemblances, mais euh, on arrive à à mieux comprendre un peu qu'est-ce qu'un kinésiologue. Donc, euh, on se réfère à des choses qui ont déjà été écrites sur les kinésiologues. Première définition, on dit euh, « kinésiologue, c'est un professionnel » ou une professionnelle, bien entendu, euh, « détenant une formation universitaire de trois années en sciences de l'activité physique, qui, par le biais d'une intervention personnalisée sécuritaire, bien entendu, est appropriée dans le domaine de l'activité physique et d'autres habitudes de vie reliées aux maladies chroniques et à la qualité de vie ». Tels que l'alimentation, l'usage du tabac, des drogues, le stress, contribuent au maintien ou à l'amélioration du mieux-être de la santé des individus et ou de la performance sportive. Il y a deux choses importantes là. le mieux-être, améliorer le mieux-être de votre santé et les, les performances sportives. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à une très large clientèle. Vous allez voir tantôt la clientèle à laquelle on peut s'adresser. On Nous autres, on parle de 0,99 ans malade, pas malade, on pas même jusqu'au performant et la personne qui veut juste améliorer sa santé. Donc, on passe par toutes les catégories. 0,99, pas en santé et en santé. On peut intervenir à plusieurs niveaux. On n'est pas des gens, vous allez le voir tantôt, qui peuvent soigner des choses. On, peut, on est des gens qui vont prévenir. Vous allez voir, on va continuer avec la définition. On a une autre définition. Euh, ici, un instant. Une deuxième définition de ce qu'est un kinésiologue, ça se ressemble un peu, euh, c'est un professionnel détenant une formation universitaire, bien entendu, de trois années, euh, en sciences d'activité physique. La science d'activité physique, le mot le dit science de l'activité physique. Donc, la recherche est faite autour de tout ce qui a, qui a trait à l'activité physique, activité sportive, de compétition, et activité physique comme la, aussi simple que la marche. OK? Euh, qui est par le biais d'interventions personnalisées, sécuritaires et appropriées. Vous voyez, on vient encore avec sécuritaire et approprié. Vous allez voir tantôt dans le domaine de l'activité physique et des habitudes de vie. On revient encore avec les habitudes de vie reliées aux maladies chroniques encore et à la qualité de vie telle que l'alimentation, l'usage du tabac. Deux définitions qui se recoupent directement, qui ont lien à je suis un professionnel de la santé qui par le biais de mes connaissances peut améliorer votre santé, prévenir les maladies, en tenant compte des habitudes de vie que vous avez et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques ou améliorer votre santé par l'activité physique. C'est vraiment améliorer votre santé par l'activité physique. Donc, euh, vous voyez les deux définitions dans lesquelles on retrouve les mêmes choses. J'ai une petite définition personnelle. Je peux vous dire que je suis un conseiller qui peut vous aider à prévenir les maladies liées à vos mauvaises habitudes de vie. Là on embarque dans quelque chose. Je suis un professionnel qui peut limiter ou prévenir les maladies liées à vos habitudes de vie. Il y a cinq mauvaises habitudes de vie. On les a nommées tantôt. Il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme, le stress, la mauvaise alimentation et bien entendu l'inactivité physique. L'inactivité physique est le plus grand Problèmes de santé majeurs liés aux mauvaises habitudes de vie. Ça veut dire que nous autres, les êtres humains de l'an 2000, on meurt de mauvaises habitudes de vie. Notre rôle, en, comme kinésiologue, c'est de prévenir, de vous aider en prévenant ces maladies-là euh, liées directement aux mauvaises habitudes de vie. Euh, pour faire un. Un, un lien assez facile aussi, c'est qu'on se demande, bon, un kinésiologue, c'est un entraîneur comme le gars de hockey qui coach le hockey, ou mon entraîneur de soccer qui, euh, qui coach mes enfants au soccer, ou moi-même euh, qui joue au hockey, ou qui joue à un autre sport, euh, puis mon entraîneur est là pour m'encadrer. Est-ce que c'est un kinésiologue? La plupart du temps, vous allez voir, les entraîneurs peuvent être des bénévoles qui ont appris quelque chose de très spécifique en connaissances, c'est-à-dire par rapport au hockey. On va avoir des excellents entraîneurs de hockey, mais qui ont des connaissances liées directement au hockey. Lorsqu'on arrive avec un kinésiologue, on va aller au-delà de ça, dans les connaissances. Bon, d'abord, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est kinésiologue qu'il a une connaissance marquée du hockey ou d'un sport en particulier. C'est qu'il a une connaissance de la physiologie humaine et des façons d'améliorer les performances par rapport au corps humain directement. Donc, ça nous amène à la deuxième portion, la formation universitaire de, de notre kinésiologue. Quelle sorte de formation on va donner euh, au kinésiologue afin qu'il puisse vous aider puis qu'il puisse faire en sorte que, bon, bien, vous le consultez, vous allez le voir et vous voulez avoir de l'information pertinente pour vous aider vous-même. On va vous y aller directement parce que ça s'adresse à vous, que vous soyez un athlète d'élite, que vous soyez une personne avec un problème de santé. Euh, lié à des maux de dos, euh, que vous ayez un handicap, que vous ayez euh, rien du tout, mais que vous vouliez seulement améliorer votre condition physique, vous pouvez vous référer à un kinésiologue, puis vous allez voir de quelle façon sa formation a été complétée pour pouvoir vous permettre de vous aider. Ça va vous aider à comprendre aussi, lorsque vous parlez à un kinésiologue, à qui vous parlez, puis de faire une référence avec euh, une différence avec des entraîneurs ou même des physiothérapeutes, parce que des fois, on va souvent parler de physiothérapeutes qui ont lien avec l'activité physique. Il y a un lien direct, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, qui se recoupent, excusez, Mais vous allez voir la distinction claire qui se fait entre le kinésiologue et d'autres métiers comme ça. Donc, je me réfère à, directement à l'université de Sherbrooke. Par contre, il y a, des, euh, il y a les universités euh, québécoises qui donnent le cours. Presque toutes les universités le donnent. On a l'université Laval à Québec, l'université de Trois-Rivières, l'université du Québec à Trois-Rivières, l'université de Sherbrooke, bien entendu, l'université de Montréal. Euh, qui donne les cours. Donc, euh, les cours de kinésiologie se donnent dans ces quatre universités-là. Si je ne me trompe pas, peut-être une autre, mais euh, à ma connaissance, il y a sûrement ces universités-là. Donc, euh, la kinésiologie, pour vous l'expliquer, on va utiliser le programme qui est offert euh, à l'université de Sherbrooke. Je m'y réfère euh, directement. Puis là, je vais vous faire le, la liste des cours qui est donné euh, à l'université pour euh, la formation. Du euh, kinésiologue. Euh, dans un premier temps, le kinésiologue, lorsqu'on définit qu'est-ce qu'il doit acquérir comme connaissance, se ça se décrit comme suit euh, le kinésiologue doit acquérir les compétences générales et spécifiques propres à une intervention ou à un intervenant en kinésiologie, donc l'apprentissage de l'ensemble des connaissances. Acquérir les compétences générales favorisant sa capacité d'intervention, c'est euh, comment intervenir auprès des gens acquérir des compétences générales favorisant euh, sa capacité à gérer et à administrer des projets en activité physique et sportive. Là, on parle de gestion d'activités physiques. Là, on parle de gestion personnelle, mais on peut aller jusqu'à gérer des groupes de travail ou des équipes. On peut gérer tout ce qui est lié avec le sport, plein air, individuel, collectif. Et euh, on parle aussi d'acquérir des compétences générales et des compétences spécifiques. Bon, les compétences générales, c'est qu'il y a dans la formation, on va voir tantôt, il y a une formation générale où les kinésiologues n'ont pas le choix, suivent toute cette formation-là d'acquisition de connaissances générales et il y a des acquisitions de connaissances spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des volets d'intervention. On parle des volets en activité physique et mieux-être. Cette section-là, vous allez voir tantôt, on va aller plus spécifiquement, s'adresse pour l'amélioration de la santé des gens. Et on a un volet où on parle d'encadrement sportif où on va y aller vraiment, là, la formation spécifique. Va s'orienter sur la performance sportive. Peu importe le sport, vraiment orienter sur globalement comment on fait pour améliorer l'athlète pour qu'il arrive à ses fins dans n'importe quel sport. Donc, ces deux orientations-là décrivent, vous allez voir tantôt, une formation générale et deux formations qui sont distinctes qui vont aller soit vers la santé ou vers la performance. Donc, je reviens à ma, mon, mon listing, excusez le l'anglicisme, mais. Euh, au, au, au cours, on va appeler ça un tronc commun, c'est l'ensemble des cours, puis je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Le premier cours qu'on donne, euh, recherche en éducation physique. Mais bien, bien entendu, si on veut être capable de vous donner de l'information pertinente, on doit être en mesure de faire des recherches, puis on doit savoir vers quel domaine aller chercher des informations. C'est un cours qui se donne à l'université, dire, regarde, l'information, vous allez retrouver ça à tel endroit, tel endroit, quelle est l'information pertinente et quelle, quelle qui l'est pas. Bon. Cinésiologie structurelle et biomécanique. On s'entend tu pour dire anatomie fonctionnelle du corps humain. Donc, le, le kinésiologue apprend la même chose qu'un médecin, qu'un physiothérapeute sur l'ensemble du corps humain. On part du cerveau et on descend ça jusqu'en bas. On aurait pu penser qu'on on, on apprendrait seulement les fonctions de base musculaire et cardiovasculaire, mais non, parce que tout ça, les systèmes s'entrecroisent l'un et l'autre et s'en vont d'un à l'autre et n'ont pas le choix d'avoir des interactions. Donc, on doit connaître les effets non seulement sur les muscles, mais aussi sur l'ensemble du corps. Donc, euh, neurokinésiologie et apprentissage moteur. L'apprentissage moteur, c'est lié aux muscles. Euh, professionnalisation de l'intervention en éducation physique. Comment intervenir auprès de vous en étant correct avec vous? Il y a beaucoup d'intervenants euh, qui vont intervenir avec ce qu'ils savent. Ils ont leur personnalité, ils ont leur façon d'intervenir, mais il y a des méthodologies pour intervenir, faire une approche. On appelle ça du counseling auprès des gens, être à l'écoute des gens. Ça, c'est un, un, un point très important. On enseigne ça aux gens à écouter pour être en mesure de bien vous donner l'information. Si on ne vous écoute pas, on pense qu'on a toutes les solutions, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un cours qui a été donné pour ça. Euh, entrepreneuriat en kinésiologie, je vous en parlais tantôt, on apprend à, à gérer du sport. Vous faites affaire avec un kinésiologue, vous faites affaire avec vous, mais vous voulez faire une activité sportive de groupe, vous faites affaire aussi avec un kinésiologue. Travail d'équipe, dynamique psychosociale de la pratique de l'activité physique. Dynamique psychosociale de la pratique de l'activité physique. Comment est-ce que ça fait Qu'est-ce que l'intervention en activité physique a comme incidence sociale, donc sur la santé sociale, qui nous entoure Si, euh, on, si on a une ville qui fait beaucoup de sport et une ville qui n'en fait pas, vous allez vous apercevoir de la différence de la santé sociale qu'il a. Donc, on a une formation à ce niveau-là. Physiologie de l'effort. Il y a deux cours qui s'appellent Physiologie de l'effort 1 et Physiologie de l'effort 2. Tous les, tous les universités donnent ce cours-là. Et c'est ce qui nous distingue le plus des autres professionnels de l'intervention euh, en santé, c'est ces deux cours-là. Car euh, l'application la, la, biomécanique, physiologique du corps humain, le fonctionnement, tout ce que je vous disais tantôt sur l'intervention, les interactions entre les systèmes digestifs, les systèmes rénaux, tous le système, les systèmes différents du corps humain, on apprend à voir si on fait une activité physique, quelle incidence ça a sur vous. Euh, je vous emmène directement à l'intervention avec des diabétiques. C'est un exemple parfait qu'on a. L'effet de l'entraînement sur un diabétique. Quels sont les effets? Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi on ferait tel type d'entraînement? On passe dans ces deux cours-là, on passe au travers de tout ça. C'est ce qui nous distingue beaucoup de l'ensemble des autres services de santé. Euh, méthodologie de l'entraînement physique. Bien entendu, comment on fait pour vous, pour, pour vous programmer un entraînement qui va être efficace. On a deux cours là-dessus. Puis euh, quand on parle de deux cours, on parle des cours de 45, euh, 45 heures. Euh, évaluation de la qualité fonctionnelle, ça va être un de nos cours, probablement euh, une, euh, dans les prochaines euh, interventions qu'on va faire. On va vous présenter l'évaluation de, de la condition physique. Donc, on apprend à faire l'évaluation de votre condition physique. Intervention en activité physique et sportive, euh, j'en passe quelques-uns. Initiation à la prescription en conditionnement physique, counseling. Le counseling en activité physique, c'est ce que je vous parlais tantôt l'intervention directe, une façon d'intervenir, d'approcher les gens, poser les bonnes questions, être sûr que qu'on a toute l'information nécessaire pour pouvoir vous encadrer comme il faut. Euh, L'aspect légo et la, excusez, de l'intervention en activité physique. Euh, gestion de projet en activité physique, soins d'urgence, sécurité. Lorsqu'on parlait de sécurité tantôt, on est en mesure. La formation que l'on reçoit nous permet d'intervenir et donner les premiers soins rapidement. Est-ce que c'est un cours un peu comme Lamblin, et gens On voit un petit peu plus loin que, que ces cours-là. C'est une intervention directe qui nous permet de. Bon, il euh, y a une blessure, euh, un arrêt cardiaque, un problème majeur de santé qui survient, euh, des maladies qui peuvent. Euh, à intervenir lorsqu'on fait de l'activité physique. Donc, on a une formation qui nous permet de pouvoir encadrer dans l'immédiat qu'est-ce qu'on peut faire. On ne vous soignera pas. On est en mesure de vous sauver la vie ou de faire toutes les démarches possibles pour vous amener vers l'hôpital le plus rapidement possible euh, dans, le, dans, le, la dans, dans un encadrement sécuritaire. Euh, traumatologie. Ben oui, on apprend l'ensemble des blessures. On va pas aussi loin et puis on n'ira jamais aussi loin qu'un cours de physiologie. Euh, comme, comme ils ont à l'université, mais on voit les blessures majeures qui peuvent survenir par l'activité physique. Donc, on est conscientisé à, si on vous fait faire tel type d'exercice, il peut survenir tel type de problème. Tendinite, bursite, une fracture, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une entorse lombaire. Donc, on est sensibilisé. On est en mesure de prévenir ces, ces, ces problématiques-là, mais on n'est pas en mesure de les soigner directement. On va prévenir. Ça, ça veut dire, on vous entraîne en fonction de ne pas ou être moins à risque à ces blessures-là. Euh, si les blessures arrivent, on vous dirige vers la médecine, qui va vous rediriger vers la physiothérapie, qui normalement va faire une réadaptation. La réadaptation vous ramène à des fonctions normales et par la suite, vous venez voir un kinésiologue qui, lui, va améliorer vos performances. Alors, on ne parle pas de jouer au hockey parce que vous êtes cassé un pied si vous ne jouez pas. On parle d'être en mesure de fonctionner plus efficacement que juste être capable de faire de la marche simplement suite à une blessure. On veut être capable de faire d'autres choses, de même courir ou même être capable de faire du vélo sans avoir de douleur tout le temps. Donc là, on embarque dans le monde où nous, par le cours de traumatologie, on est en mesure d'évaluer la situation, de dire oui, 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 on peut continuer. Non, 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 on ne continuera pas parce que si vous avez un type de blessure, vous allez voir un physiothérapeute. L'initiation à la planification de l'entraînement, on va voir ça parce que ça fait partie intégrante du rôle du, euh, du kinésiologue. Modification du comportement en activité physique, principe et prescription d'étirements adaptés, les étirements, à la souplesse, prescription de renforcement musculaire adapté. Tous les gens qui suivent le cours d'éducation physique doivent passer par ce tronc commun-là afin d'en arriver à vous donner un meilleur service. Tantôt, on parlait de spécificité, donc de cours spécifiques de mieux-être. Qu'est-ce qui va distinguer la concentration mieux-être et la concentration euh, volet sportif? Performance sportive, bien, je vous donne quelques, vraiment là, quelques cours qui vont faire la différence. Prescription en conditionnement physique adapté. Conditionnement physique adapté, ça veut dire que si vous avez une blessure, une limitation, un, un, un handicap, bien, on va être en mesure de vous prescrire les exercices nécessaires qui vont favoriser l'amélioration de votre condition physique. Un exemple qu'on fait au CAPS, on va vous emmener euh, en piscine pour faire de la réhabilitation sur beaucoup de choses. On apprend un vocabulaire d'exercice qui va vous permettre d'améliorer améliorer votre condition physique, mais en piscine. On va vous faire faire des exercices en salle de conditionnement physique, euh, même si vous êtes en chaise roulante, euh, si vous avez subi un handicap euh, qui vous, vous oblige à être en chaise roulante, ben il vous reste toujours vos bras à un en mesure de pouvoir améliorer cette condition physique-là. On va même plus loin que ça. On va, euh, on a déjà donné une, euh, un suivi auprès de ce qu'on appelle des handicaps très lourds. C'est des multisensoriels. C'est des gens où ils doivent sentir ils n'ont pas de, nécessairement de communication directe où il faut le découvrir. Donc, de quelle façon on peut améliorer la santé d'une personne comme ça? Ben, il faut s'asseoir, analyser, faire une structure, puis on apprend ça dans santé mieux-être. C'est des, un des volets importants de cette formation-là. Méthode de conditionnement physique particulière, donc on vient d'en arriver là. Blessures et lésions au milieu de travail. Oh, on vient d'aller ailleurs que dans le domaine sportif et dans le mieux-être juste pour vous. On va même jusque dans le milieu de travail pour faire de la prévention. Ça, c'est intéressant. Analyse ergonomique de situation de travail. Allez voir comment vous travaillez dans vos milieux de travail afin de prévenir les coups. C'est-à-dire qu'on a une formation qui nous permet d'aller voir ça. On n'est pas des ergonomes, mais on a une formation d'ergonomie qui nous permet de vous regarder travailler, qui vous dit « Ah, attention, vous êtes en train de faire des mouvements qui peuvent vous blesser. » Et euh, souvent, on dit « Ah, oh, bien, c'est mon bureau qui n'est pas correct. » Bien, on va vous dire non, ce n'est pas votre bureau qui n'est pas correct. On va commencer par améliorer votre condition physique avant de dire qu'on va modifier votre bureau. Parce que vos habitudes de travail, vous mettez votre ordinateur croche ou euh, votre siège est trop bas ou euh, lorsque je travaille dans l'usine, j'ai toujours les bras dans les airs, mais je n'ai pas le choix de travailler dans les bras dans les airs parce que mon métier l'oblige, mais je n'ai pas assez de force dans les bras pour faire mon travail. Alors, on essaie de faire l'analyse pour vous dire, attention, quand vous travaillez dans cette position-là ou quand vous faites tel mouvement, bien, vous devriez avoir un renforcement de vos épaules. L'analyse ergonomique de vo votre poste de travail et de vous en, en travail pendant votre travail. On parle de santé publique et kinésiologie. Bien, on a un lien. Il, il faut être. Euh, il faut avoir des connaissances de ce qui se passe autour de nous. On est en lien avec le CLSC, on est en lien avec le centre hospitalier pour savoir que, bon, on ne peut pas distinguer euh, un centre de conditionnement physique unique, euh, juste le CLSC. Il faut avoir des regroupements puis voir à, comment on peut, avec la santé publique, Faire en sorte de prévenir. Parce que notre rôle, je vous le rappelle, on fait de la prévention physique, par l'activité physique. Donc, on prévient les blessures au niveau de santé publique, mais il faut être au courant du système. Donc, c'est un cours qui se donne. Lorsqu'on fait, là, il y a beaucoup d'autres cours directs et spécifiques, là, on pourrait passer l'après-midi à en parler, mais on va aller voir euh, la formation, concentration en encadrement sportif, les différences. Regardez bien. Méthode d'entraînement physique spécifique. Là, on va aller. Directement voir comment les athlètes s'entraînent et une analyse de comment on peut améliorer la condition physique des athlètes, peu importe le sport. Comment on fait pour analyser le sport lui-même? On parle de hockey, de soccer, de basketball, oui, c'est des sports qui ne se ressemblent pas tout à fait. Non, mais justement, quelle sorte d'approche, comment on fait pour observer et analyser la situation avant de prescrire des exercices? Euh, planification et méthode d'entraînement. Cette portion-là nous distingue de vraiment lorsqu'on parle d'encadrement sportif. On a une formation qui nous permet de faire une planification très organisée et surtout, on sait pourquoi, à quel moment, on fait telle chose. Parce que lorsqu'on parle d'un athlète, puis ça prend quatre ans à mener un athlète jusqu'aux Olympiques, ben lorsqu'on parle de planification, méthode d'entraînement, si on ne sait pas où on s'en va, ben c'est dur de savoir comment partir et qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Donc, c'est un peu planifier un voyage, puis être sûr qu'à chaque étape du voyage, on va arriver jusqu'au sommet de la montagne. Bien, il va falloir que tu aies ça, 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 ça. dans la planification, ce cours-là de planification méthode d'entraînement, qui euh, a cinq crédits, ça, c'est un cours qui a beaucoup plus d'heures, qui est beaucoup plus important. C'est ce qui va nous distinguer vraiment lorsqu'on dit je veux un programme d'entraînement. Imaginez-vous que si on a une formation pour amener un athlète d'élite jusqu'aux Olympiques, bien, que vous voulez améliorer votre santé. C'est très facile pour nous de vous dire, pas de problème, on va vous aider, puis on va vous partir ici, puis on va vous emmener là, très facilement. En plus, on va vous faire votre suivi si vous avez un problème entre les deux. On peut le faire pour un athlète, donc on peut le faire pour vous. Euh, supervision pédagogique en entraînement sportif, c'est le suivi de cet athlète-là. Lorsqu'il s'entraîne, qu'est-ce qu'il fait, comment ça va, est-ce que tu évolues, non, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à évoluer. Encadrement sportif, contexte et intégration, et gestion des ressources humaines et financières. Comment ça se fait ça qu'on va dans les finances et les ressources humaines? On n'a pas le choix de faire les deux. Lorsqu'on fait de l'intervention de groupe, si on ne fait pas de ressources humaines ou d'encadrement, de, justement, de spécialistes en hockey ou de spécialistes en basketball, on est formé pour être capable de leur aider, de les encadrer à faire, justement, leur travail. On peut prendre un kinésiologue lui dire Tiens, tu vas trouver des, des, des entraîneurs de, de soccer, on va créer une ligue de soccer et tu vas les gérer soit organisé pour gérer ça. Financièrement, il y a une formation pour dire, bon, ben, regarde, il faut se faire un budget, comment on fait le budget, euh, qui, on en, qui on encadre et de quelle façon on fait euh, l'administration et la gestion de tout ça. Vous voyez, la formation, ça fait au moins 15 minutes que j'en parle, est très complexe, mais tout ça pour vous dire, on a une formation qui est très spécifique à notre métier et qui fait en sorte que l'encadrement qu'on fait auprès de vous nous permet de pouvoir vous encadrer efficacement. Vous êtes un athlète, je vous l'ai dit tantôt, vous êtes une personne qui veut juste améliorer sa santé ou vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de santé, on est en mesure de vous aider. Lorsqu'on parle de kinésiologie ou d'un kinésiologue, c'est notre rôle. C'est une des compétences qu'on peut avoir. On peut intervenir auprès de vous. Lorsqu'on parle de compétences, on arrive à la portion compétences. Je vais vous simplifier ça au maximum. Le kinésiologue fait trois choses. Si on dit un médecin fait le diagnostic et la prescription de médicaments, euh, la diagnostic de votre maladie, prescrire les médicaments, vous orienter vers un autre spécialiste afin d'avoir euh, un, un cheminement pour guérir. Le physiothérapeute va faire une évaluation de votre situation, va essayer de vous guérir. Bon. Nous, comme kinésiologues, on a trois choses très spécifiques qu'on est en mesure de faire. Notre compétence nous amène à ça. On est capable d'évaluer votre condition physique. Tout ce que vous avez entendu tantôt nous permet d'évaluer votre condition physique. Votre capacité personnelle, elle est quoi? On va le voir quand on va parler d'évaluation de conditions physiques. On va évaluer les facteurs de risque. Bon, mais compte tenu de ce que vous êtes en mesure de faire, qu'est-ce que vous êtes en mesure de... Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'entraînement? Est-ce que je peux vous donner... Est-ce que je dois vous envoyer en piscine? Est-ce que je vous envoie en salle de conditionnement physique? Comment est-ce que je peux faire ça? Et la dernière, la prescription d'un programme adapté d'exercice. Ça, ça veut dire, j'évalue votre condition physique, est-ce que vous êtes en mesure de le faire et qu'est-ce que vous allez faire? Il va être adapté que vous soyez un athlète ou... Que vous soyez quelqu'un qui a des difficultés de santé. On a encore au cégep, je vous donne un exemple pour terminer, des gens qui ont des problèmes de santé au niveau du cœur, qui viennent de, on appelle ça programme de réhabilitation des coronariens en je vous ai déjà expliqué ça. Et on, est, on, on a un programme pour les encadrer. On fait la même chose avec les diabétiques. On fait la même chose avec les, les, les athlètes d'élite, l'équipe de football du cégep. Donc, vous voyez l'ensemble des interventions qu'on peut faire. Lorsque vous pensez sport et lorsque vous pensez à améliorer votre santé, à faire du sport, vous voulez des conseils, vous voulez savoir comment les faire et les faire sécuritairement et bien, bien, vous avez une personne à consulter. Maintenant, ça fait 30 minutes que je vous en parle. On appelle ça un kinésiologue. Je suis un kinésiologue. On a six kinésiologues au CAPS. Je vous invite à venir les consulter et à venir nous voir pour être en mesure d'avoir le meilleur. La meilleure explication qui s'adresse à vous. Encore là, vous êtes un athlète, vous êtes quelqu'un qui a un besoin d'améliorer sa santé simplement ou vous avez un problème de santé, vous venez nous consulter, ça va nous faire un plaisir énorme. Ça m'a fait plaisir encore aujourd'hui de vous expliquer une autre facette de mon merveilleux métier et je vous invite à venir nous voir au CAPS, au Centre d'activité physique et sportive du Cégep de tête. Merci.